Se rendre au petit coin, voilà qui ne coule pas toujours de source pour les enfants de maternelle ou de primaire. J'ai entendu lors d'une émission de radio une enfant de 5e primaire, je pense, qui n'allait pas aux toilettes parce qu'elle n'osait pas. Elle trouvait les toilettes sales, etc. Elle se retenait même de boire pour ne pas utiliser les toilettes de l'école. Conscient de ce problème général et de la vétusté des sanitaires de l'école de Fagnols en particulier, le directeur a répondu à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin. Il a obtenu 3 500 € pour la rénovation des toilettes des maternelles. Concrètement, tout va être rénové, donc on va mettre une douche qu'il n'y avait pas, hein, puisque les petits de maternelle, ben, ils ne sont pas tous propres quand ils arrivent. Il y aura un WC adulte qui n'existait pas non plus, une toilette enfant, 2 éviers à la hauteur des enfants, ce qui est important, un évier pour l'adulte, pour faire les vaisselles, il y aura du carrelage. Donc, en collaboration avec le service travaux de la commune, nous avons des ouvriers qualifiés qui vont s'occuper de tout ce qui est main-d'œuvre. Donc, un ouvrier menuisier, un chauffagiste, un carreleur, un électricien. Et toute la somme consacrée, donc le subside, sera consacrée entièrement à l'achat de matériaux pour avoir du bon matériel. Donc, les 3 500 € seront consacrés à ça. Les enfants ont aussi choisi un thème pour leur nouveau sanitaire, celui des pirates. Avec le slogan « Moussaillon à l'abordage, faisons de notre petit coin une île au trésor ». Et ils ont expliqué les choses qu'ils ne trouvaient pas, enfin, qu'ils trouvaient moins bien dans leurs toilettes. Par exemple, ils voudraient un pot plus grand, un porte-serviette, quelque chose pour mettre le papier toilette. Parce que ici, apparemment, c'est vraiment vétuste, c'est vraiment des anciennes toilettes qui sont à rénover. Des toilettes qui seront rénovées par les ouvriers de la commune de Philippeville pendant les vacances de Pâques. Voilà donc une bonne nouvelle. Et 6 autres écoles primaires en province de Namur bénéficient de ce subside de la Fondation Roi Baudouin. Rosé, Couvain, Malonne, Profondeville, Lèves et Vedrin. Un appel similaire a été lancé aussi pour les secondaires. Les heureux élus seront connus au mois de mai.